bienvenue dans votre journal Afrique. Je suis ravie de vous retrouver. À la une de l'actualité ce vendredi, des obsèques nationales pour Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien chef d'État malien. Cérémonie organisée par les autorités de transition, Ibeka, qui a reçu les hommages des autorités de transition en présence d'officiels étrangers. Trois jours de deuil national ont été décrétés. Catastrophe au Ghana. Après l'explosion d'un camion transportant des explosifs industriels, on compte au moins 13 morts, des dizaines de blessés, une trentaine de personnes hospitalisées. Le vice-président s'est rendu sur place aujourd'hui. Et puis dans le MAG, on retrouvera votre journal de la CAN. Et ce soir, bilan de la première partie de la Coupe d'Afrique des Nations et pronostic sur la suite avec l'invité de l'Isler Etia, l'ancien international camerounais Michel Kaam. L'espace d'une journée, la classe politique malienne a donc tu ses divergences pour honorer l'ancien chef d'État, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, décédé cette semaine et inhumé cet après-midi à Bamako. On regarde les images de Kaourou Magassa, commentées par Anaïs Surtad. Sur la place du génie militaire, les drapeaux sont en berne. À l'entrée, une photo de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, décédé dimanche à Bamako. Au son de l'hymne national, la dépouille d'Ibeka est portée par plusieurs soldats. Un hommage solennel, une cérémonie d'adieu à laquelle assistent près de 2000 personnes, parmi elles d'anciens ministres, des diplomates, plusieurs personnalités étrangères et maliennes, ainsi que son fils. Comment te dire que tu me manqueras, que tu nous manqueras? Tu auras été de toutes les batailles pour la préservation de la dignité, de l'honneur, de la culture africaine, à tel point que tes pères de l'Union africaine t'avais nommé champion de la culture et de l'héritage africain. Ces idéaux restent et nous allons nous battre pour que ces idéaux puissent triompher dans la vérité, dans la justice et pour l'intérêt supérieur de la nation malienne. Le grand absent de ces obsèques, le colonel Assimi Goïta. L'homme fort de la junte qui avait renversé Ibeka en 2020 a choisi son premier ministre pour le représenter. La junte a décrété trois jours de deuil national à compter d'aujourd'hui. Toujours au Mali, sécurité à présent. Les États-Unis affirment officiellement la présence des paramilitaires russes du groupe Wagner. Déclaration du commandement des États-Unis pour l'Afrique dans une interview exclusive pour le média Voice of America. Récit et commentaires signés Maïva de Froyenne. Dans une interview donnée au média américain Voice of America, pour la première fois, le commandement des États-Unis pour l'Afrique est formel. Wagner est au Mali. Nous pensons qu'ils sont plusieurs centaines. Ils se sont déployés par le soutien des militaires russes. C'est l'aviation russe qui les achemine. Pour nous, c'est une grande préoccupation. Une préoccupation partagée, mais surtout dénoncée depuis des semaines par les partenaires européens. Pour certains pays impliqués au Mali, l'arrivée des mercenaires russes de Wagner change la donne. Et ils s'interrogent sur la poursuite de leurs engagements sur le terrain. Car les méthodes de ces paramilitaires sont décriées. Ils exploiteront le pays, ils bafoueront les règles, ils violeront les droits de l'homme, tueront les civils innocents. Et quand les Maliens en auront marre d'eux, ils ne partiront pas. Au Mali, où plusieurs sources affirment que les mercenaires sont présents en nombre, la junte a toujours démenti tout déploiement, reconnaissant seulement la présence de soldats et instructeurs russes. Il va être très difficile pour les partenaires du Mali de prouver une présence effectivement réelle, effective du groupe Wagner du moment où cette présence serait tout à fait fondue avec la présence aussi des éléments des forces de la République, des éléments de l'armée russe. Désormais, les forces occidentales craignent que le Mali ne connaisse un scénario similaire à la Centrafrique où Wagner est implanté depuis 2018. En tout cas, aujourd'hui, malgré des menaces de sanctions adressées à Bamako, il n'est pas question pour l'heure que la France retire les troupes de la force Barkhane plus vite que prévu. Et cette information nous parvient le jour même où une enquête est ouverte par l'ONU sur le massacre de Bria en Centrafrique, tuerie attribuée aux forces armées centrafricaines et aux mercenaires russes du groupe Wagner.
Au Nigeria, un nouvel enlèvement de masse. 20 enfants, dont 13 filles, ont été enlevés dans le village de Piémi, dans l'état du Borno. On l'a appris aujourd'hui. L'attaque a vraisemblablement été menée par des djihadistes, sans doute des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Deux personnes ont également été tuées dans cet assaut. Et puis, toute autre chose, sachez que l'opposant congolais Guy Brice Parfait-Kolela a été inhumé ce vendredi au Bourget, en région parisienne, enterrement 10 mois après son décès. Il avait été évacué dans un état critique alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. L'autopsie réalisée par l'Institut médico-légal français avait conclu à une mort liée au Covid-19. Une autopsie qui a donc rejeté la thèse de l'empoisonnement. Le paysage autour du lieu de la catastrophe est lunaire. Au Ghana, des dizaines d'habitations sont détruites après l'explosion d'un camion chargé d'explosifs industriels. On compte au moins 13 morts, des dizaines de blessés, une trentaine de personnes hospitalisées. Le vice-président s'est rendu sur place aujourd'hui. On écoute le récit d'Alexandre Malesson. Après la déflagration, les dégâts sont colossaux. Sur des centaines de mètres, les maisons ont été soufflées. Ce sont des quartiers entiers qui ont été dévastés. Quelques minutes auparavant, un camion transportant des explosifs pour une société minière entre en collision avec une moto et un autre véhicule à proximité d'un transformateur électrique. L'explosion a été fulgurante. Le bilan qui risque d'évoluer se chiffre à près de 20 morts et une soixantaine de blessés. Une tragédie, véritable catastrophe pour cette ville d'Apiat, au point que le président du Ghana prenne la situation en main. La police, les forces armées et l'Organisation nationale de gestion des catastrophes, NADMO, coordonnent leurs efforts pour maîtriser la situation. Et j'ai également chargé la NADMO de veiller à ce que des secours rapides soient apportés aux habitants de la ville. Selon la police, des renforts ont été déployés sur place. Tous les hôpitaux des environs ont été mobilisés, ainsi qu'un plan activé pour évacuer les personnes dans un état critique. Et c'est maintenant l'heure du sport. On passe au journal de la CAN. Et on ouvre tout de suite cette page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations et ses deux journées de repos, aujourd'hui et demain, avant que les équipes n'entament les huitièmes de finale. L'occasion pour nous de dresser un premier bilan à l'issue des phases de groupe. Et pour ça, on retrouve tout de suite Karim Baldé, notre envoyé spécial à Douala, avec Louis Decroix et Guillaume Truyet. Comment ne pas commencer ce bilan du premier tour par la surprise qu'on a vécue hier soir ici à Douala, l'élimination de l'Algérie. Des Fenech, champion sortant bien pâle, qui comme en 1992 sortent dès le premier tour après avoir pourtant remporté la Coupe d'Afrique des Nations précédente. L'Algérie à la porte, le Ghana aussi, les Black Stars piteusement éliminés lors du dernier match de poule face aux Comores. Les Sélakantes représentent la grande surprise de ce premier tour. Ils iront en huitième de finale pour leur toute première participation à la CAN. Autre équipe inattendue à ce stade de la compétition, le Malawi, la Gambie ou encore la Guinée équatoriale. On veut continuer à faire les choses bien pour continuer à gagner. Et si on peut gagner la coupe, on va essayer, mais tranquille. Parce qu'on est en petit groupe, on est une famille, on connaît le niveau de notre équipe. On vient ici à la CAN pour gagner tous les matchs. Si certaines grandes équipes ont déçu, d'autres sont bien au rendez-vous. À l'image du Nigeria, seule équipe à avoir réalisé un parcours sans faute jusqu'à présent. 3 matchs, 3 victoires. On peut mettre également dans cette catégorie des nouveaux favoris la Côte d'Ivoire. Après cette démonstration de force vécue face à l'Algérie, les éléphants se placent en candidats sérieux au titre suprême. Et les Fenech, champions en titre, étaient évidemment les grands favoris de cette CAN. Après leur élimination, la déception est grande en Algérie. Et ce, d'autant plus que cette élimination est bien nuit aux affaires. On regarde le reportage de Kamel Zaït, commenté par Maïva de Froyenne. Le gérant de ce café avait placé beaucoup d'espoir dans la CAN. Il vient d'ouvrir son commerce. Alors, après l'élimination des Fenech, la déception est grande. Nous avons ouvert le café juste avant la CAN et au début ça marchait plutôt bien. Nous avons essayé de mettre à disposition tout ce qui peut attirer les clients. Malheureusement, il y a eu cette défaite inattendue et ça a tout chamboulé. Même constat dans cet autre café.
L'établissement ne vient pas d'ouvrir, mais le gérant est formel. Avec la défaite des Verts, l'engouement n'est plus le même. Un manque à gagner considérable. Les premiers jours de la CAN, c'était très bien. Il y avait du monde et nous étions heureux. Mais après l'élimination, les choses sont redevenues comme avant. Il y a nettement moins de monde. Parmi les commerces touchés par cette défaite, les vendeurs de vêtements. Ce commerçant avait fait le plein de maillots de l'équipe nationale. Mais après l'élimination, il craint de ne pas pouvoir écouler son stock. Cette défaite va nous faire perdre de l'argent. On avait prévu un stock important de maillots, mais la demande a baissé. Ça nous a conduit à baisser le prix. Mais malgré tout, nous espérons que notre équipe nationale sortira très vite de cette crise. Malgré la déception des commerçants et des supporters, tous affirment rester derrière leur équipe nationale, qu'ils espèrent voir briller à la prochaine Coupe du Monde. L'Algérie doit jouer deux matchs barrages pour espérer se qualifier au Mondial 2022 qui se jouera au Qatar. Et qu'ont pensé les experts, les connaisseurs de cette première phase de la CAN? Eh bien, on retrouve notre autre envoyé spécial à Yaoundé cette fois. Lise-Laure Etière, bonsoir. Et vous êtes avec un invité de marque. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Lise-Laure. Vous êtes donc avec un invité de marque qui est l'ancien Lion d'Indoptable, ex-international, et qui est l'entraîneur adjoint du Cameroun au Mondial 90 en Italie. Cet homme, c'est Michel Kaam. Bonsoir à tous les deux. Oui, bonsoir Michel Kaam. Alors vous avez participé à la Coupe du Monde en 1982, c'est d'ailleurs la première pour le Cameroun. Lors des phases de groupe, ce Cameroun que vous connaissez, son bilan c'est 2 victoires et 1 nul. Alors le Cameroun est en 8e de finale, mais on entend de ça et là des critiques. L'ancien défenseur que vous êtes, est-ce que vous partagez ces critiques? Mais les critiques sont un peu fondées parce qu'on espère gagner ce trophée chez nous. Donc on ne tolère pas la moindre faute à l'équipe camerounaise. Mais il faut quand même dire qu'ils ont eu l'insigne honneur d'ouvrir le bal, comme je peux dire ainsi, en jouant le match d'ouverture devant le chef d'État, ce qui n'était pas facile dans ce magnifique stade de Dolembé. Ils ont quand même remporté 2-1 face à une équipe très coriace de Burkina Faso, en revenant d'ailleurs au score, gagné par 2-1. Ensuite, ils ont battu l'Éthiopie, proprement par 4-1. Ils ont fait match nul contre le Cap-Vert. Je pense que le bilan est positif. C'est vrai qu'il y a des petits soucis au niveau défensif. L'entraîneur est en train de faire des turnovers. Je pense qu'il a utilisé 3 paires de défense centrales différentes en 3 matchs, ce qui nous inquiète un peu. Dans le milieu, il a aussi eu à faire des réajustements. Mais je pense qu'il aura, au bout de ces 3 matchs, vu certaines lacunes et corrigé ses erreurs pour qu'on puisse affronter les 8e de finale avec la meilleure équipe possible. On a pris des buts trop faciles en compétition qu'il ne faudra pas répéter dans ces matchs à élimination directe parce que ça pourrait être fatal. C'est pour cette raison-là qu'on est un peu inquiet. Mais l'équipe est là, le banc est profond et on pense qu'avec ce 12e homme que le public camerounais, on va passer ce cap de Comore. Alors c'est la première CAN à 24 qui se déroule. Quel est selon vous le niveau de jeu? Il y a 2 ténors quand même, le Ghana et l'Algérie qui ont été éliminés. Quel est le niveau de jeu de cette compétition? Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes dessus. Ben, vous voyez déjà que les ténors affichés ou avertis ont été éliminés. L'Algérie proprement sur le terrain, malgré les incriminations ou bien les reproches de l'entraîneur. Le Ghana aussi, qui est une figure de proue du championnat africain, a été éliminé. Ça veut dire qu'il y a un nivellement des valeurs. Vous voyez donc que le niveau est bon. Plus de petites équipes? Non, il n'y a plus de petites équipes. Si ceux-là sont sortis, il y en a qui sont restés. La Gambie est là, le Malawi est là. Comore pour la première fois, ils sont là. Donc ça se joue. Il y a des très bons matchs et des très bonnes équipes. Le problème, c'est que tout le monde se prépare bien pour cette phase finale. Les équipes ont mis le temps de se préparer malgré la Covid et sont arrivées prêtes pour la compétition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas un bon bagage technique, surtout mental, pour gagner cette compétition, vous ne la gagnerez pas. Et l'Algérie en a eu assez près. Alors, un pronostic, hein, qui va succéder à l'Algérie le 6 février? Ben, le débat est ouvert. Vous savez, il y a des grandes équipes comme le Maroc qui s'affichent très bien. Le Sénégal, un peu moins, qui a aussi un peu déçu. On pense qu'il va se relever. Mais il y a le Nigeria qui arrive très, très fort. Je pense que c'est ouvert. Et ce sera gagné par l'équipe qui aura le plus de solidité mentale. Je pense que toutes les équipes qui arrivent en 8e de finale ont un bagage technique, tactique suffisant. Mais celui qui sera le mieux organisé mentalement, qui va respecter le plan de jeu fait par l'entraîneur, va pouvoir passer. Mais il y aura des belles affiches. Ça, je peux vous assurer, ce sera disputé âprement. Et ce sera une bonne CAN, on peut se le dire. Le pari est déjà gagné. Quand vous traversez la phase de poule sans déchets, vous êtes sûr que maintenant que vous arrivez dans des phases à élimination directe, il y aura du public, il y aura du jeu. La CAN sera un succès. Est-ce qu'il y a un joueur, juste très rapidement, qui vous a impressionné?
Moi, je vois bien cet avant-centre de la Côte d'Ivoire, Hagler, qui n'est pas mauvais. Il y en a d'autres, hein. Mais lui, comme c'est la première fois qu'il vient, ayant déserté un peu son pays pour adopter l'Afrique, je l'admire. Il a la taille qu'il faut, la technique. Sébastien Allaire. Oui, absolument. Je lui souhaite beaucoup de courage. Mais il y a Aboubakar Vincent, le Camerounais, qui marque des buts. Et je pense que le Cameroun sera à la ligne d'arrivée. Merci beaucoup, Michel Kam. Merci bien. Merci beaucoup, Lise Laure, et merci à vous, Michel Kam. Merci aussi à Cynthia Nzetia, à la caméra. Et c'est la fin du journal de la CAN, et on vous retrouvera demain, et puis le reste des jours, ainsi qu'avec Karim Baldé pour d'autres informations. Voilà, présent destination le Sénégal, Dakar très exactement, où un collectif de jeunes réalisateurs français vient d'ouvrir une école de cinéma gratuite. Ce collectif a été créé par Ladj Ly, le réalisateur franco-malien qui a été prix du jury au Festival de Cannes en 2019. Hélène Renaud a suivi les premiers jours de formation des heureux élus de son école. On regarde le reportage. Lieu, centre-ville de Dakar. Personnages, 14 apprentis scénaristes sénégalais. Action, réaliser son rêve. Qu'est-ce qui vous motive en général quand vous êtes face à la feuille blanche? Et pourquoi raconter des histoires? J'ai envie de dire avant tout pour soi-même, pour s'aider. Puis en écrivant, ce qui est bien, c'est qu'on peut aider les autres. C'est une façon pour moi de me libérer. Quand on écrit, on peut créer des personnages et les faire disparaître à tout moment. Alors, on est un peu le dieu de... Tout le dieu de gens. Oui. Voici la première école de cinéma gratuite d'Afrique, créée par le collectif français Courtrajmi. Binta Diallo n'a pas hésité une seule seconde à saisir sa chance. La jeune femme de 24 ans a quitté son métier de banquière pour cette formation, au grand dam de sa famille. Je pense que ce métier, le cinéma, c'est pour les gens qui ont raté leur vie. Déjà, j'ai été calomniée, jugée par rapport à ça. Mais ils ont fini par céder et du coup, je peux dire que j'ai eu leur bénédiction. Pendant 5 mois, cette première promotion dakaroise de scénariste va plancher sur des projets de court-métrage et le pilote d'une série télé. Il doit y avoir à peu près une cinquantaine de séries minimum qui est tournée chaque année au Sénégal. Pour nous, c'était indispensable de pouvoir les ancrer dans la série parce que c'est là qu'ils vont dû trouver du travail et la formation de la série est très spécifique. Les élèves vont apprendre l'art de l'écriture de scénarios avec des pontes du cinéma. Aujourd'hui, c'est le cofondateur de l'école, Ladj Ly. Ce réalisateur français né au Mali vient raconter son ascension fulgurante. Lui, qui a grandi en banlieue parisienne dans un quartier modeste, s'est retrouvé sur le tapis rouge de Cannes ou des Oscars avec son film Les Misérables. C'était juste incroyable. Une réussite qui, pour lui, ne doit pas rester une exception. Il y a très peu d'écoles de cinéma, il y a très peu de centres de formation. Quand il y en a, elles sont difficiles d'accès, elles sont assez chères. Il faut un certain niveau d'études. Et nous, justement, avec l'école Courtrajmi, on a envie de casser les codes et proposer des formations gratuites, ouvertes à tous, sans condition de diplôme, sans limite d'âge. Et on sait qu'en Afrique, il y a un potentiel énorme, il y a une jeunesse qui est incroyable, qui a envie de s'exprimer, de raconter leurs propres histoires. Et nous, on va mettre le paquet, justement, pour que cette jeunesse puisse s'exprimer. Le collectif Courtrajmi souhaite encore ouvrir une dizaine d'écoles en Afrique de l'Ouest. De quoi faire grandir cette nouvelle génération prête à porter haut l'étendard du cinéma africain dans le monde du 7e art. Et voilà, du cinéma à la littérature, on poursuit le mag avec Gladys Mariva, notre chroniqueuse livre. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Alors vous avez lu pour nous le dernier roman de l'écrivaine sénégalaise, Ken Bougoul. C'est intitulé Le Trio Bleu, c'est paru aux éditions Présence Africaine. Et alors de quoi ça parle? Alors du rêve de Gora, un jeune Sénégalais orphelin qui a quitté son pays avec dans l'idée de gagner assez d'argent pour se construire une belle villa au pays et de s'y installer avec sa belle qu'il aime, donc son amour de jeunesse. Jojo. Alors chaque mois, il envoie de l'argent à son oncle, hein, qui en retour lui envoie des photos du chantier. Photos que Gora accroche au-dessus de son lit, hein, dans sa chambre. Hein. Il y a aussi la photo, bien sûr, de Jojo. Donc ça, c'est le rêve. Mais au départ, Ken Bougoul nous raconte plutôt la catastrophe, en fait, à la fois de ce qui se passe au Sénégal, où il y a eu un véritable effondrement, en fait, des valeurs. Elle nous décrit la mendicité, le chômage, la perte de l'espoir de la jeunesse. Et aussi en France, hein, dans cette ville qu'on devine être Paris,
où il y a une vraie indifférence et une déshumanisation. Et c'est qui ce trio bleu alors qui donne son titre au livre? Alors il y a Gora que je viens de vous présenter, puis il y a aussi François, donc un Auvergnat que Gora rencontre dans une agence d'intérim. Et enfin Souleymane qui est donc le voisin de Gora, un jeune homme qui vient probablement de Syrie, qui parle très peu et qui passe son temps à lire de la poésie, à dire de la poésie et à couper des oiseaux en papier. Alors peu à peu, on devine que ces trois hommes sont des êtres brisés. En fait, Ken Bougoud, dans un jeu d'aller-retour entre le passé et le présent, nous raconte comment ils ont chacun fuit un pays qui ne voulait plus d'eux. Comment Gora, par exemple, a traversé donc, le Sahara et la Méditerranée. Comment le jeune Souleymane a fui la guerre, l'horreur. Et comment François, lui aussi, a fui quelque chose. Alors, on devine qu'il a été accusé à tort. Il est passé par la prison. Et en fait, ces hommes, ils vont s'entraider. Ils vont sur la route. Ils ont perdu foi en l'humanité. Ils ont vu aussi comment, alors c'est ce qu'elle appelle le système pervers, Ken Bougoul, peut détruire les hommes. Et surtout, comment ce qu'elle appelle les langues déliées, donc un mot qui revient tout le temps dans le roman, ont en fait détruit la vie de Gora. C'est l'angle dédié qu'il a fui quand il est parti du Sénégal et qu'il l'attend à son retour où rien ne va se passer comme prévu. Bon alors, quand on vous écoute, Gladys, on a quand même le sentiment que c'est un roman assez sombre, hein, qui met en scène des personnages avec des destins tragiques finalement. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a de la beauté, de la poésie, alors, de l'humour, alors, du rire? C'est sûr, alors, c'est vrai, quand on voit la couverture, on se dit qu'il y a de la beauté. Alors il y en a, mais c'est vrai que d'abord, Ken Bougoul est très sombre. Et voilà, c'est vraiment important pour elle de dire, de dresser un constat assez froid, assez lucide sur ce qui se passe au pays où le fanatisme, le capitalisme, le consumérisme a détruit en fait les valeurs traditionnelles telles que la famille, telles que le travail de la terre, et a jeté comme ça sur les routes tous ces jeunes qui, et pas seulement jeunes d'ailleurs, qui traversent l'Afrique pour chercher autre chose en Europe. Et en même temps, elle raconte à travers ces trois hommes qui peu à peu vont se dévoiler, vont se raconter leur passé, comment il est peut-être possible de se délester du poids des traditions et des injonctions qu'on fait aux hommes en leur disant « il faut que tu réussisses, il faut que tu affiches ta richesse, il faut que tu montres que tu es fort ». Comment on peut peut-être s'enfuir, s'en délester pour voler, hein. Donc ça c'est l'image de la couverture, hein. Se déployer ses ailes, hein, métaphore de l'oiseau qui va être filé tout au long du roman. Je trouve ça intéressant parce que ça se voit aussi dans son écriture qui mêle le lyrisme et la critique sociale. Et c'est intéressant encore parce que Ken Bougoul, qu'on connaît surtout pour ses romans assez féministes, et bien là, elle nous parle de masculinité et elle nous parle d'amitié entre les hommes. Et de liberté. Merci beaucoup, Gladys Mariva. Je rappelle le titre de ce roman, Le Trio Bleu de Ken Bougoul, aux éditions Présence Africaine. Merci à vous. Et c'est la fin du Journal Afrique. À demain.